Voilà, donc pour cette dernière séance du cours, je voudrais en dire le plus possible, on va voir ce qu'on va réussir à faire, mais sur la preuve du théorème de Friedman sur le trou spectral des graphes réguliers aléatoires. En réalité, je ne vais pas suivre exactement sa présentation, enfin l'idée générale est la même, mais la manière dont je vais présenter, c'est plutôt assez proche de ce que je suis en train de faire sur les surfaces aléatoires avec Laura Monk, mais... Voilà, c'est juste une manière légèrement différente de présenter. On fait le calcul dans le modèle GND, hein, un modèle de graphe aléatoire où on engendre des graphes aléatoires en tirant des permutations au hasard. Et on avait dit que on avait présenté la dernière fois ce qui s'appelle la méthode des traces, où on relie, finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a relié les valeurs propres de la matrice d'adjacence aux longueurs des géodésiques périodiques via la formule des traces, et on s'est ramené à estimer l'espérance d'une certaine somme qui fait intervenir les géodésiques périodiques. Donc, on prend l'espérance pour ce modèle de probabilité, c'est la somme sur les géodésiques périodiques primitives. Il y a une fonction test qu'on avait appelée f indice L. Alors dans la formule des traces, en fait, là je fais la somme sur les géodésiques périodiques primitives, mais dans la formule des traces, on doit compter toutes les géodésiques périodiques, même quand elles ne sont pas primitives, et ça... Aujourd'hui, je vais le prendre en compte en rajoutant une somme sur les entiers. La dernière fois, c'est la même chose, hein, juste la dernière fois, j'avais écrit la somme sur toutes les géodésiques périodiques. Donc, on veut estimer cette espérance pour notre modèle de probabilité et on veut montrer... Et donc, la fonction L, FL, c'est une fonction test paire. À support dans moins L. Et L, c'est un paramètre qui va tendre vers l'infini en même temps que N. Mais on voudrait qu'il tende vers l'infini le moins vite possible pour ne pas être trop embêté par la prolifération des géodésiques périodiques. Mais on a vu qu'il faut quand même... Alors, le but, c'est de montrer que cette espérance, elle est plus petite que Q. Alors, voilà, Q plus 1 et D, c'est la même chose. Je fais coexister les deux notations parce que je crois que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Mais on veut montrer que cette espérance, elle croît comme exponentielle, comme Q puissance alpha L. On veut une borne supérieure avec alpha le plus petit possible. Et ça, alors L, il est limité. On a une limitation inférieure sur L, c'est qu'il doit être au moins égal à log n en base Q sur alpha. Et ça, cette limitation, elle vient du fait que, en plus de cette somme sur les géodésiques fermées, il y a quelque part le terme topologique de la formule des traces qui croît comme n et dont on n'arrivera jamais à se débarrasser. Lui, ce terme-là nous dit que de toute façon, on n'a pas le choix, on doit prendre L au moins en log n sur alpha. Et on a vu la dernière fois que si on arrive à faire ça, on arrivera à montrer que toutes les valeurs propres non triviales sont plus petites que 2 racine de Q cosinus hyperbolique alpha. Avec probabilité proche de 1. Et ça, c'est pour tout J, c'est pour toutes les valeurs propres non triviales, avec probabilité qui tend vers 1 quand n tend vers l'infini. On avait expliqué hein, ce déroulement la dernière fois. Donc là, aujourd'hui, il faut qu'on comprenne comment estimer cette espérance.
Alors, il y a juste une petite chose qu'on peut remarquer. C'est que, en fait, là, la somme à partir de m égale 2, elle va être sous-exponentielle de toute façon. Donc, on peut juste se contenter vraiment des géodésies primitives. Alors, juste pour se débarrasser de la somme des géodésiques pas primitives, on utilise une borne déterministe. En fait, le nombre de. Si je compte le nombre de géodésiques périodiques de longueur K. On va dire de longueur L, c'est plus petit que la trace de la matrice de Hashimoto à la puissance L. Ça, c'est. Et donc la trace de la matrice de Hashimoto à la puissance L, c'est la somme sur toutes les arêtes orientées des éléments de matrice diagonaux de B à la puissance L. Et là, on peut utiliser une borne déterministe. Que la matrice de Hashimoto, elle est. Donc, chacun de ces termes, on va dire qu'il est plus petit que la norme de B à la puissance L de L2 dans L2. Et cette norme, elle est plus petite que Q, parce que B sur Q, elle est stochastique. Donc, cette norme est plus petite que. Donc, chacun de ces termes, en fait, il est plus petit que Q à la puissance L. Et puis le nombre d'arêtes orientées, c'est Q plus 1. Donc il y a une borne déterministe qui dit que le nombre de géodésiques périodiques de longueur L, de manière. Il est de toute façon toujours plus petit que NQ plus 1 fois Q à la puissance L. Alors ce Q à la puissance L là. À partir du moment où M est plus grand que 2, il va être tué par ce terme-là. D'accord ? Donc il n'y a que pour M égale 1 que ce. Ici, j'ai un Q à la puissance L, et pour M égale 1, il va juste être multiplié par Q puissance moins L sur 2. Donc il va rester un truc. Mais à partir de M égale 2, on peut vérifier que à cause de ce Q puissance L qui va être compensé avec celui-là, on peut vérifier que la somme, je ne fais pas trop en détail, mais ce n'est pas compliqué, c'est que du coup, enfin, même de manière déterministe, hein, la somme à partir de m égale 2, de manière déterministe, elle est de toute façon plus petite que n. Et puis on trouve, je pense, grand L à la puissance, il y a une constante. On trouve quelque chose qui est polynomial en L. Et qu'on peut donc. En fait, cette borne-là, on peut la regrouper. On peut la regrouper. Elle est à des facteurs polynomiaux près. Elle est du même ordre de grandeur que le terme topologique, de toute façon. Donc, voilà, il faut penser toujours que le grand L, c'est quelque chose en log N. Et que les logs ne nous embêtent pas. Ce qui nous intéresse, c'est les termes exponentiels en L qui nous intéressent. Donc, en fait, vraiment, on va s'intéresser que aux géodésiques primitives. Donc, dans la suite, on se contente. De m égale 1 dans cette somme, c'est-à-dire des géodésiques primitives. Alors, je vais introduire une notation, c'est que si j'ai. Alors. Si j'ai une fonction de z dans C qui est paire. Et elle sera toujours à support compact. Je vais introduire cette notation là pour dire que c'est l'espérance
pour mon modèle GND de somme pour les géodésiques périodiques primitifs de F de L de gamma 0. Et on aura en tête la fonction F qui nous intéresse, ça va être F de L, ça va être L, petit f de L, Q puissance moins L sur 2. Et on va voir tout à l'heure que ce Q puissance moins L sur 2, il est vraiment important. Alors ça, je peux aussi l'écrire comme la somme pour L, la somme pour L positif de F de L fois une certaine quantité qui est appelée V de L. Et ce V de L, c'est l'espérance du nombre de géodésique primitif périodique de longueur L. Et ça, la dernière fois, on avait et ce nombre-là, c'est la somme. Ça, je vais reprendre les notations de la dernière fois. J'avais effectivement fait une petite faute. On m'avait signalé que j'avais fait une petite faute. En fait, cette espérance, elle se calcule en prenant une somme sur toutes les configurations possibles de longueur L. Configuration de longueur L. De la probabilité de cette configuration. Donc là, il faut que je réexplique ce que ce sont ces choses sur lesquelles on somme. Donc on va introduire un alphabet pi dont les lettres ce sont petit pi 1, petit pi 1 moins 1, petit pi d sur 2, petit pi d sur 2 puissance moins 1. Donc c'est un alphabet à d lettres et c'est les pi i, ce sont les pi i, elles ont vocation à être les permutations qu'on tire au hasard. Et W, c'est un mot de longueur L. Donc W, ces lettres, je les appelle sigma 1, sigma L. C'est un mot de longueur L sur l'alphabet pi. Et puis, comme on veut des géodésiques, on ne veut jamais que pi i soit suivi de pi i moins 1, donc on va prendre des mots réduits. Et puis, si on veut compter des géodésiques, si on veut compter donc des trajectoires périodiques, on va prendre un mot cycliquement réduit, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que le premier soit à l'inverse du dernier. Cette précision de cycliquement réduit, je le rajoute seulement si je veux compter les trajectoires fermées, mais en fait, une grande partie des calculs que je vais faire marche aussi si je veux compter des trajectoires avec deux extrémités fixées. Et dans ce cas-là, le mot est seulement réduit et pas cycliquement réduit. Et puis T, c'est L plus une lettre. Pas des lettres, les TI sont dans l'ensemble de sommets, donc numérotés de 1 à n. Et alors, c'est pareil, si je veux compter les trajectoires à extrémité fixée, je ne demande pas forcément que TL soit égal à T0, mais si je veux compter les trajectoires périodiques, je vais rajouter la contrainte que TL doit être égal à T0. Donc là, en fait, cette somme, elle porte sur les configurations cycliques
Mais on peut faire des calculs, et Friedman l'utilise, on peut faire des calculs aussi pour des trajectoires qui ne sont pas périodiques. Et ce qu'on appelle P de WT, et c'est là que j'avais... Ce que j'avais écrit n'était pas correct la dernière fois, c'est la probabilité. En fait, ça, tout dépend de N, hein, ça n'apparaît pas dans les notations. C'est toujours la probabilité pour ce modèle GND. Alors, c'est la probabilité que sigma i... Donc, sigma i, c'est la lettre numéro i du mot W, et cette lettre, c'est une des permutations. C'est là que j'avais mal écrit la dernière fois. Je veux que sigma i de ti... Alors, est-ce que c'est... Ouais, sigma i de ti égale ti plus 1. Ça doit être... Non, c'est plutôt sigma i de ti moins 1 égale ti, si je veux que les indices soient bien mis. Voilà, c'est cette probabilité. Pour tout i. Et ça s'exprime avec des... Donc on peut écrire que c'est le produit pour J allant de 1 à D sur 2 de N moins AJ factoriel sur factoriel N. Et AJ, c'est le nombre de... Là, j'ai imposé un certain nombre de contraintes sur les permutations, et c'est le nombre de contraintes qui portent sur la permutation πj. C'est AJ, en fait, c'est quelque chose qui dépend de la configuration. C'est le nombre de conditions portant sur πj. Et une chose que je dis à l'oral, je ne vais pas écrire, c'est qu'il y a certaines configurations qui sont impossibles. Je ne l'écris pas, mais c'est quand même assez important d'avoir ça en tête. Parce qu'une configuration, en fait, ça va correspondre à un dessin. On va tout de suite faire un dessin. Là, j'ai décidé tout de suite une configuration cyclique, hein, sinon il y aurait des extrémités. Donc les sommets, c'est les TI. Donc par exemple, mettons que je parte de T0, mettons qu'il soit là. Donc, en fait, la donnée d'une configuration, ça me dit que je dois avoir un chemin sur le graphe qui passe successivement par T0, T1, T2, T3, etc. Mais ça me dit aussi, en plus, j'ai des étiquettes sur chaque arête qui me disent quelle permutation j'ai utilisée pour passer. Donc c'est un graphe comme ça, avec à la fois les noms des sommets, mais aussi des étiquettes sur chaque arête avec des permutations. Et en fait, donc cette configuration, elle me dessine un chemin sur ce graphe. Ce chemin, il peut y avoir certaines boucles qui sont parcourues plusieurs fois. Donc, par exemple, voilà, ça pourrait être des choses comme ça. J'ai un chemin qui est parcouru. Si mon chemin il passe plusieurs fois par certains des TI, en fait, si dans ma suite TI j'ai plusieurs fois le même sommet, on voit que tous les mots ne sont pas possibles. Voilà, il y a des contraintes comme ça. Si on passe plusieurs fois par le même TI, certains mots sont, pour des raisons évidentes, impossibles. Au contraire, si j'ai une trajectoire simple, et tous les mots réduits sont possibles. Alors, l'idée, c'est d'essayer de... On doit calculer cette somme. L'idée, c'est d'essayer de regrouper ces termes-là par paquets qui vont bien ensemble. Et il y a déjà un regroupement qui est évident. C'est que ça, c'est le regroupement dont j'avais parlé la dernière fois. Il y a une relation d'équivalence sur les...
si j'ai de suite S0, SL et T0, TL de même longueur, je vais dire qu'elles sont équivalentes si il existe une permutation de l'ensemble à n éléments tel que SI égale taux de TI. Donc cette relation d'équivalence, ça veut juste dire que j'ai numéroté, le mot est le même, mais j'ai numéroté juste différemment j'ai juste donné des noms différents au sommet, et c'est évident que dans ce cas-là, la probabilité ne dépend pas de la numérotation. Ça, je suis juste en train d'écrire que la probabilité ne dépend pas de la numérotation des sommets. Donc déjà, dans cette somme, déjà, un premier regroupement, mais qui est un peu trivial, c'est de regrouper ensemble toutes les choses qui diffèrent que par la numérotation des sommets. Et c'est ça, j'avais commencé à introduire cette notation qui... c'est E sim, c'est juste la somme sur tous les S qui sont équivalents à T de P de WS. Et comme tous les termes sont égaux, en fait, il faut juste compter le nombre de termes dans cette somme. Et le nombre de termes dans cette somme, c'est grand N moins 1, grand N moins V plus 1. Où V, c'est le nombre de TI qui sont différents, c'est-à-dire c'est le nombre de sommets de ce graphe que j'ai dessiné. Donc V, c'est le nombre de TI différents, mais sur ce dessin, il a une interprétation topologique simple, c'est le nombre de ces sommets-là. Et du coup, on voit tout de suite... Et c'est un petit peu la base, la remarque de base, c'est que donc ça veut dire que cette somme-là qui m'intéresse, je peux l'écrire comme, mais ça c'est tout, je peux l'écrire comme la somme de tous les E sim de WT de longueur L, et simplement maintenant je ne mets plus qu'un représentant de chaque classe d'équivalence. Ici, au lieu de sommer sur tous les T possibles, je prends juste un représentant de chaque classe d'équivalence. Et ce qui est important, enfin la remarque un petit peu fondamentale, c'est que donc E sim, au premier ordre, si je fais N grand, ça se comporte comme n à la puissance v. Et puis ici, j'ai... pardon, ici, c'est des grands n. Ici, j'ai n à la... Et j'ai moins somme. Donc j'ai moins a1 plus ad sur 2. Au premier ordre. Et la somme des aj... C'est rien d'autre que le nombre d'arêtes. C'est rien d'autre que le nombre d'arêtes du graphe. Alors, je vais peut-être effacer. Enfin, le nombre d'arêtes de ce graphe-là que j'ai dessiné, qui est associé à la configuration WT. Donc au premier ordre, ça c'est équivalent à n à la puissance nombre de sommets moins nombre d'arêtes, et ça c'est n à la puissance 1 moins le rang cyclique. Donc on voit tout de suite que plus le rang cyclique est du graphe associé à la configuration WT est grand, donc plus mon graphe il a de cycles, moins il va contribuer
moins il va contribuer à cette espérance. Et en particulier, les géodésiques qui contribuent le plus, ce sont les géodésiques simples, qui correspondraient à un dessin comme ça, où j'ai juste un cycle. D'accord ? Donc c'est ça qui va donner le terme dominant. Alors ça, c'est le premier regroupement de cette somme. Après, on va continuer à regrouper ensemble les termes de cette somme en travaillant sur ce dessin et en mettant des relations d'équivalence de moins en moins fines sur cette somme. Alors, c'est le maximum d'informations qu'on peut avoir, c'est le graphe avec les numéros des sommets et les numéros des permutations qui permettent d'aller de l'un à l'autre. Et petit à petit, on va oublier de l'information. Donc, à l'étape suivante, je ne vais pas écrire des définitions formelles, mais je vais juste, à chaque fois que je descends dans le tableau, je pars de ce dessin et j'oublie certaines informations. Alors, l'étape suivante, c'est d'oublier à la fois les numéros des sommets et les étiquettes sur les arêtes. Donc, c'est de prendre le même dessin. Donc, bon, je vais... C'est toujours un dessin comme ça, donc un graphe avec un chemin par un chemin sur ce graphe, mais j'ai plus d'étiquette. Donc ça c'est le chemin parcouru. Ça c'est l'étape d'après. Après, à partir de ce dessin-là, il y a deux choses que je peux avoir envie d'oublier. C'est soit je garde le graphe, mais j'oublie. Soit j'oublie le chemin que j'ai dessiné en rouge qui est dessiné sur ce graphe. Donc, soit je garde le graphe associé à la configuration comme ça, mais j'oublie le chemin que j'ai dessiné. Ça j'appelle ça le graphe rempli. Le graphe rempli par la configuration WT. Mais au contraire, il y a une autre chose que je peux avoir envie de faire, c'est d'oublier. Alors, ce que Friedman appelle les perles, c'est dans ce graphe, ce sont les sommets qui n'ont que deux voisins. Je peux oublier tous ces sommets-là et dessiner et faire seulement ce dessin-là. D'accord, mais par contre, je garde le chemin, je garde l'information de... Voilà, j'oublie juste en fait combien il y a de perles à l'intérieur de... ici, toutes ces perles-là, je les efface. Ça, dans le travail qu'on est en train de faire avec Laura, ça, c'est ce qui s'appelle le type topologique. Type topologique de cette configuration. C'est à la fois un graphe. Alors le graphe blanc et puis voilà. Ici j'oublie la dernière chose c'est que je peux faire c'est carrément garder juste le graphe blanc et oublier le chemin rouge que j'avais parcouru. Je peux garder à la fin que ça. Là j'ai perdu beaucoup d'informations. Ça, on va appeler ça la forme. La forme associée à la configuration WT. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une forme ? C'est un graphe dont tous les sommets ont degré au moins 3. Parce que j'ai fait... Donc, ça, c'est... à la fin, ce que je récupère, c'est un graphe dont tous les sommets... degré au moins 3. Ça, c'est le minimum et après, voilà, à partir de la forme, je peux remonter en sens inverse. Donc là je rajoute un chemin tracé sur cette forme, alors que quand je passe de là à là, je rajoute, en fait, ce que je me donne, c'est un nombre de points sur chaque arête. Si je remets les deux ensemble, j'obtiens le chemin parcouru, et à la fin, je peux remettre des étiquettes. Et ce qu'on voit, c'est que le rang cyclique, là, le B, qui apparaît ici,
il dépend que de la forme. Donc il ne contient pas toute l'information, mais il dépend de ça. Alors, ah oui, et puis ce qu'on peut faire tout de suite. Je vais peut-être le faire là. Donc avant de commencer, donc voilà comment on va regrouper les termes. Mais ça je le fais un peu comme. Je ne fais pas exactement le même regroupement que Friedman. Je fais plutôt le regroupement, la manière dont on a fait dans le travail qu'on fait avec Laura sur les surfaces aléatoires. C'est-à-dire que cette somme qui porte au départ, ici le hall, il veut dire qu'on somme sur toutes les géodésiques. Mais après, on va les regrouper par topologie. Donc on peut cette somme, on peut l'écrire comme un. On va l'écrire comme une somme sur les types topologiques. Donc on regroupe en fait toutes les configurations, on peut les regrouper ensemble selon diverses relations d'équivalence. Et là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va les regrouper selon. On va regrouper toutes les configurations qui donnent le même type topologique. Mais si je veux, les types topologiques, je peux quand même les classer un petit peu. Je peux les classer selon les types topologiques qui remplissent tous la même forme. Donc les types topologiques, je vais les classer selon leur forme. Et puis, les formes, je vais quand même les ranger selon leur rang cyclique. Donc, le rang cyclique, c'est une somme a priori infinie qui va de 1 à plus l'infini. Une fois que j'ai fixé le rang cyclique, je peux sommer sur toutes les formes possibles de rang cyclique B. Ça, c'est cette deuxième-là, elle est finie. Donc, si B est fixé, cette deuxième somme est finie. Et après, je dois sommer sur tous les types topologiques qui sont tracés sur cette forme-là. Par contre, cette somme-là est infinie. Et il y a un petit dénombrement qu'on peut faire. Je ne vais pas faire le détail parce que c'est en reprenant le fait qu'on voit que les configurations de rang cyclique B, elles vont peser n à la puissance 1 moins b. Donc en fait, on peut voir ce qu'on peut montrer, c'est que la somme. C'est que si on tronque, si on fait la somme. Si on a envie de tronquer en fait déjà cette première somme qui est infinie, si on regarde tous les rangs cycliques suffisamment grands, plus grands que le grand B. Ça, ce que ça pèse, c'est un grand O. Alors, j'ai le n à la puissance 1 moins b qui sort de, du fait que chacune des configurations va faire sortir un poids n à 1 moins b. Mais après, il faut arriver à compter. En fait, après, il faut arriver à compter les configurations de longueur l et donnant ce rang cyclique-là. Et là, je ne fais pas le détail du dénombrement, mais en gros. Quand on va compter les mots de longueur L, alors grand F, elle est toujours de. Grand F, elle est à support, toujours dans moins LL. Donc là, il va y avoir un Q puissance L qui va sortir, c'est au moment où on va compter les mots de longueur grand L. Et après, ce qui est un petit peu plus difficile comme dénombrement, c'est qu'il faut compter. Il faut compter les t qui peuvent contribuer à configurations de rang cyclique plus grand que b. Et là, on trouve quelque chose en l à la puissance 2b, comme borne supérieure. Et l, il faut se souvenir que l, c'est grand O de log n. Et là, c'est un.
Donc tout ça pour dire qu'en fait, ce qu'on peut montrer, en comptant convenablement les configurations qui peuvent contribuer à un rang cyclique donné, c'est qu'on peut tronquer la première somme, si on la tronque et qu'on prend B assez grand, enfin, sans trop d'efforts, hein, on peut montrer que on a quelque chose qui va être du même ordre que le terme topologique dont on a des. Voilà. Donc, on peut même aller à grand taux de 1. Hein. Voilà, si B assez. Donc, on peut tronquer. En fait, on peut. Quitte à perdre un grand taux de 1, ou même un petit taux de 1, on peut tronquer cette somme à une somme finie. Donc, la deuxième somme, du coup, se retrouve finie. Et on peut se ramener. On va d'abord étudier chacun de ces termes-là. Et je vais introduire. J'ai pas dit ce que j'appelais ça. En fait, cette notation-là, c'est la même définition, sauf que à chaque fois, je vais regarder que les. L'indice grand T ici, si je remplace all, ça veut dire que je somme sur toutes les topologies possibles, et si je mets un T ici, ça veut dire que je vais à chaque fois me restreindre. Au géodésique qui donne le type topologique T. Et donc voilà, c'est cette quantité-là qu'on doit étudier. Et on va faire. Alors, j'ai esquissé, j'ai regardé pour l'instant un peu la contribution de chaque configuration au premier ordre, mais maintenant on va faire des développements asymptotiques à tout ordre, en puissance de n. Alors, cette quantité-là, E sin de W et de T, donc j'avais dit que le terme d'ordre 1, le terme dominant, c'était N puissance V moins E. Si on veut faire des développements asymptotiques aux ordres suivants, on voit que bah, c'est encore écrit là, tous ces factoriels. Il va y avoir 1 moins 1 sur N, facteur de 1 moins 2 sur N, facteur de 1 moins V moins 1 sur N, et puis produit, ça c'est, voilà, ça c'est celui qui vient de ça, c'est produit pour J allant de 1 à D sur 2, et puis là on va avoir 1 moins 1 sur N, 1 moins 2 sur N, 1 moins AJ J-1 sur N. Donc on voit, en fait, on voit que si on veut faire des développements en puissance de N de ces choses-là, ce qu'il faut étudier, c'est la fonction 1 moins X, 1 moins 2X, 1 moins MX, et puis son inverse. Étudier en fait le développement de cette fonction en x égale 0. Alors la première c'est un polynôme et la deuxième c'est l'inverse d'un polynôme. Et quand on fait ce que vérifie Friedman, c'est que quand on fait le développement de Taylor, on peut écrire explicitement en fait les coefficients, mais en fait pour ces deux fonctions-là, le développement de Taylor il ressemble à. Alors, pour le premier, c'est un développement fini, mais pour le deuxième, c'est un développement infini. Et il y a des coefficients x puissance j
RJ de grand M. Grand M, quand on l'appliquera après, grand M, ça sera soit petit v moins 1 ou ça sera soit AJ moins 1. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ce coefficient-là, c'est un polynôme en grand M. Et puis, 2 degrés. Bon, 2 degrés qui est contrôlé, là je cite, c'est O plus égal à 2J, et puis même on peut contrôler ces coefficients. Hein. Et donc si j'applique ça, j'applique ce lemme pour faire un développement asymptotique de cette quantité-là, je vais voir que le développement asymptotique, peut-être là maintenant, je vais effacer ça. Donc le développement asymptotique de ça, ça va ressembler, donc il y a n à la puissance v moins e, donc là c'est le rang cyclique qui sort, et après je peux faire un développement asymptotique à tout ordre. Enfin, là j'ai n puissance moins j, et là il y a des choses qui sortent, pj de a1, ad sur 2, v. Et puis, il y a un grand O qui est assez bien contrôlé, hein, qui est Alors, j'ai n à la puissance moins k plus 1. Grand K, c'est là où j'ai décidé d'arrêter mon développement, mais je peux le faire à tout ordre. Et puis, comme on a contrôlé en fait, les degrés de ce développement de Taylor, ça conduit à un... Ça conduit à un développement comme ça. Ça conduit à une majoration du reste. Alors, il faut peut-être réexpliquer les notations. Grand L, c'est là. Il faut se souvenir que ici, WT, c'est une configuration cyclique de longueur L. Donc, c'est le L qui est ici, c'est ça. Le AI, les AI, hein, ils dépendent, je ne vais pas l'écrire, ils dépendent en fait de la configuration, hein, c'était les AI qu'on avait définis précédemment, et V aussi, V dépend uniquement de T. Et ce qui est important, donc on peut faire un développement comme ça, et ce qui est très important, c'est que ça, ce PJ, c'est un polynôme, il est polynomial à cause du lemme. Voilà, c'est vraiment ces polynômes-là, c'est le fait que ça soit polynomial qui est une des choses centrales. Alors, cette fonction-là, ça veut dire qu'elle possède aussi un développement asymptotique. Oui, on va faire comme ça. Donc, c'était un développement asymptotique en puissance de n-1 pour chaque configuration, mais maintenant, on remet ces développements asymptotiques dans la somme. Et on peut montrer, donc, d'une part, que cette fonction-ci, elle a bien un développement asymptotique qui est obtenu en sommant... elle obtient à chaque fois il y a des restes qu'on peut contrôler de manière satisfaisante. Donc le reste il est grand O de n puissance moins k plus 1, mais avec on sait aussi comment le reste dépend de la longueur. On sait un petit peu on a un contrôle du même type.
Et le, ce qui, les coefficients là qui sortent, ils sont simplement en, obtenus en sommant tous les polynômes associés à toutes les configurations possibles. Donc ça va être les sommes de Pj de A1 à D sur 2V sur toutes les configurations cycliques de longueur L. Donc c'est cette chose-là qui va nous intéresser de calculer. Et si on, maintenant on fait la même chose mais en fixant un type topologique, on a le même genre de développement asymptotique avec des coefficients qui dépendent du type topologique. Et le coefficient, bah, il s'exprime pareil, mais maintenant il faut se restreindre à une somme sur les configurations qui donnent le type topologique T. Donc c'est la même chose, mais je me restreins à toutes les configurations de longueur L et de type topologique T. Alors, encore une fois, là je ne l'écris pas, mais la dépendance en WT, c'est parce que les AI et V dépendent de W et de T. Alors, ce qu'a découvert Friedman, il y a beaucoup d'idées dans sa preuve, mais peut-être l'idée peut-être qu'il faut, sur laquelle il faut le plus insister, c'est que ces coefficients-là, ils ont une certaine ils ont une structure bien particulière. C'est qu'à chaque fois qu'on fixe le type topologique, les fonctions fj qui sortent, c'est ce qu'il appelle des fonctions de Ramanujan. C'est-à-dire que ça veut dire qu'elles ont la... Donc, si on a une fonction f définie sur les entiers positifs dans R, ou à valeur dans C éventuellement, mais là je pense que tout est à valeur réelle, c'est une fonction de Ramanujan si elle peut s'écrire comme un polynôme fois q puissance L, plus un reste qui est un grand taux de quelque chose qui est polynomial en L et Q puissance L sur 2. Donc il y a un terme exact, il y a un terme principal exact qui est exactement polynomial plus fois Q puissance L et puis un reste qui décroît avec un exposant 1/2 plus petit. Je dirai un mot hein, sur comment on démontre ça. Donc ça, c'est vraiment la chose importante dans ce que a fait Friedman. Et puis, alors, deux propriétés des fonctions de Ramanujan, c'est que si f et g sont des fonctions de Ramanujan, alors leur convolée l'est aussi. La convolution, alors c'est des fonctions définies que sur les entiers positifs, c'est f convolé avec g en L, c'est la somme de f de L1 fois f fois g de L2
sur tous les paires d'entiers avec L1 plus L2 égale grand L, et puis Li positif. Donc c'est stable par convolution, je ne fais, fais pas la preuve. Alors le fait que deux fonctions comme ça soient stables par convolution, ça c'est assez élémentaire. Le fait que deux fonctions comme ça soient stables par convolution, c'est aussi assez élémentaire. C'est pour quand on fait le produit croisé, pour montrer que ça reste de cette forme-là, il y a un petit truc astucieux. Enfin, c'est assez joli, c'est pas très compliqué, mais c'est juste pour le produit croisé où il faut arriver à bien disposer la somme comme il faut pour voir que c'est bien stable par convolution. Et puis, une propriété peut-être encore plus élémentaire. Je vais l'écrire là-bas. C'est que si j'ai une fonction h, dont je sais qu'elle est bornée par L fois Q à la puissance L. Bon, ça c'est pas suffisant pour être une fonction de Ramanujan parce que dans fonction de Ramanujan, je veux pas seulement une borne supérieure, je veux vraiment exactement une forme précise de la fonction. Mais par contre, si je dilate la fonction h, si je prends L donne h de L sur m avec m plus grand que 2, là du coup ça devient une fonction de Ramanujan. Enfin, ça, voilà, parce que... Bon, ça, c'est juste une remarque, en fait. Hein, c'est même pas une propriété. Et une autre chose qu'a constaté Friedman, qui est peut-être... Enfin, c'est une des premières remarques qu'il fait dans son article, c'est que propriété, c'est que, par contre... parce qu'on pourrait se demander à quoi ça sert de décomposer en type topologique, alors que finalement ce qui nous intéresse à la fin c'est ça. Mais il montre que donc il existe J, et même il peut dire je crois que c'est racine de Q, enfin, ça n'a pas trop d'importance, mais il existe J tel que par contre, si j'avais voulu raisonner directement à partir de la somme sur tous les types topologiques sans faire ce regroupement par terme, il existe J tel que un de ces coefficients n'est pas une fonction de Ramanujan. Donc ça, c'est une propriété qui va pas dans le sens qu'on veut, mais qui nous dit que... qui nous dit qu'on est vraiment obligé de regrouper les choses par type topologique si on veut voir apparaître cette propriété. Si on se met si on fait pas ce regroupement au niveau de la somme, la propriété n'est plus vraie. Donc ça nous dit en fait qu'on est un peu obligé de faire comme on fait, de regrouper les choses par topologie. Et ça c'est parce que dans la somme sur les types topologiques, il y a une infinité de termes. Parce que même si j'ai donné la forme du graphe, j'ai quand même une infinité de manières de le parcourir. Donc ça, voilà, c'est une proposition qui ne sert pas à nous faire progresser, mais plutôt à nous dire qu'il n'y avait pas d'espoir de traiter directement la somme dans son intégralité. Alors pourquoi ? Je vais juste dire... Ce théorème-là, c'est très joli. Comment on le démontre ? Je vais dire comment on le démontre pour le terme principal. Donc, j'ai dit que la contribution principale, de toute façon, c'est les géodésiques simples. Donc, idée de preuve du théorème. Donc, on fait d'abord les géodésiques simples. Alors, est-ce que j'ai écrit... Voilà, ce qui...
Donc là, c'est quand le type topologique, c'est juste un cercle, en fait. Bon, la forme du graphe, c'est juste un cercle. Donc il faut regarder. Donc, et si je veux que cette géodésie soit de longueur L, voilà, il faut que je veux regarder un graphe de longueur L. Donc je veux regarder ce qu'il faut regarder, hein, le F simple de L. C'est la somme sur tous les mots. C'est la somme sur toutes les manières. Donc du coup, je peux supposer que mes sommets sont numérotés 1, 2, 3, 4 jusqu'à L-1. Et là, j'ai une somme en fait sur tous les W mots cycliquement réduits. De PJ de A1 de W, AD sur 2 de W, et là, le nombre de sommets, c'est L. Tout à l'heure, j'avais dit, il faut faire attention, parce qu'une fois qu'on a fixé le chemin, tous les mots ne sont pas possibles. Ce qui est un peu différent avec les géodésies simples, c'est que là, il y a aucune. Tous les mots sont possibles dans cette somme-là. C'est vraiment une somme sur tous les mots réduits. Parce que comme les arêtes sont parcourues une seule fois, tous les mots réduits sont autorisés. Donc là, j'ai vraiment une somme sur tous les mots réduits. Et AJ, c'est simplement le AJ de W, ici, dans le cas des géodésies simples. C'est simplement le nombre de fois où PJ ou PJ-1 apparaît dans le mot W. Ce n'est pas vrai en général, parce qu'il peut y avoir si le chemin il passe plusieurs fois par la même arête, j'ai des redondances. Mais là, AJ de W, c'est simplement le nombre de fois. Le nombre de fois. Si W c'était sigma 1, sigma L, c'est le nombre de I tel que sigma I égale PJ. Plus ou moins 1. Donc ça, c'est un résultat d'algèbre linéaire, mais qui prend quand même plusieurs pages à démontrer, mais de voir que si on fait la somme sur tous les mots cycliquement réduits, là, on met n'importe quel polynôme, et on fait PJ de A1 de W, AD de W, ça, c'est de la forme, c'est toujours de la forme... Q puissance L fois un polynôme en L plus un autre polynôme en L plus moins 1 puissance L. Il y a trois polynômes qui sortent. Et je vais peut-être juste faire le cas où P c'est un polynôme constant, parce que là c'est facile à voir. Je vais faire le cas où mon polynôme P. Donc, ça correspond au premier. Les polynômes constants, oui, j'ai oublié de le dire, mais dans mes développements asymptotiques, le premier terme, c'est toujours une constante. Si vous vous souvenez, c'est toujours une constante. Donc, si je fais. En fait, là, on est juste en train de compter le nombre de mots cycliquement réduits de longueur L. Donc le somme sur tous les mots cycliquement réduits de longueur L, c'est la trace d'une certaine matrice à la puissance L. Et cette matrice, c'est une matrice qui est de taille D fois D. C'est simplement la matrice d'adjacence qui me dit que je n'ai pas le droit d'aller d'une lettre à son inverse. Donc c'est une matrice, tu n'as que des 1 partout, sauf. Voilà, il y a quasiment. Sur chaque ligne, il n'y a que des 1 sauf un 0. Donc on peut calculer complètement son spectre. Et son spectre,
Le spectre de M, c'est il y a. Il faut se souvenir que oui, D c'est Q moins 1. Non, D c'est Q plus 1, pardon. Donc dans chaque ligne, il y a exactement Q fois le nombre 1 et puis 1, 0. Donc il y a la valeur propre principale, c'est Q qui est avec multiplicité 1. Et puis si on calcule les autres valeurs propres, bah, ça ressemble un petit peu à des choses qu'on avait vues plus généralement sur les graphes. Il y a 1 qui est avec multiplicité, je ne sais plus si c'est Q moins 1 ou Q plus 1 peut-être. Je crois que 1 est avec multiplicité Q plus 1 et moins 1 est avec multiplicité Q moins 1, je crois. Je ne sais plus. Non, il y a des sur 2. Alors, 1, c'est Q moins 1 sur 2 et moins 1, c'est Q plus 1 sur 2, je crois. Et donc ça, voilà, ça va nous donner, si le polynôme, c'est le polynôme constant, ça va donner Q puissance L plus 1, plus Q plus 1 sur 2 fois moins 1 puissance L plus Q moins 1 sur 2. Donc ça, c'est la preuve dans le cas où c'est polynôme constant. Et puis après, il y a un argument d'algèbre linéaire, assez sympathique, qui montre que c'est vrai, en fait, si on met n'importe quel polynôme, qu'il y a toujours cette structure-là. Ce qui est bien dans la preuve de Friedmann, comme c'est ça maintenant dont je veux parler, c'est que même si on s'est trompé là dans les coefficients, ça ne va pas jouer de rôle. Ce qui est important, c'est ces nombres-là qui sortent, mais c'est le comportement exponentiel, finalement, si on s'est trompé dans les constantes, ça ne va pas jouer de rôle dans la preuve. Donc on fait d'abord les géodésiques simples, et après, quand on a des géodésiques pas simples, là je ne vais pas pouvoir faire en détail. Donc il y a une forme comme ça. Mais en fait, on dit que cette forme-là, on peut l'avoir comme une union. On peut l'avoir comme une union de plusieurs morceaux qui sont des géodésiques simples, mais pas cycliques, mais ça n'a pas d'importance. En fait, chaque forme, on la décompose en un nombre fini de segments simples. Et puis la longueur totale de la géodésique, ça va s'écrire. Donc une fois que j'ai la forme, maintenant, pour remonter à la configuration, il faut que je me donne le nombre de points. Il faut que je me donne pour chacune de ces arêtes-là, en fait, il faut que je me donne un nombre de points xi. Et la longueur totale de ma géodésique fermée, en fait, elle va s'exprimer. C'est la somme des xi. Alors pas tout à fait, parce qu'il se peut qu'il y ait Il se peut qu'il y ait des arêtes qui soient parcourues plusieurs fois, mais ça dépend uniquement du type topologique. Donc, en fait, mon type topologique, il m'impose une forme, et il m'impose sur chaque arête, il m'impose mi, qui est le nombre de fois où cette arête est parcourue dans le chemin. Et puis après, je me fixe les xi, qui est le nombre, la longueur de chaque arête. Et la longueur totale de la géodésique, c'est somme des mi fois xi. Et c'est juste une somme sur tous ces morceaux. Et puis, en fait, bon, ça, je n'ai pas du tout le temps de détailler, mais sur chacun des morceaux, on a une géodésique simple auquel on peut appliquer ce raisonnement. Donc, là, je l'écris pour des mots cycliques, mais si j'étais à extrémité fixe, au lieu de calculer une trace, je calculerais un élément de matrice, et j'aurais le même... Donc, en fait, sur l'idée, hein, que je ne détaille pas du tout, mais c'est que sur chacun de ces morceaux-là, on peut utiliser ce genre de calcul pour faire apparaître une fonction de Ramanujan. Et après, le fait que la longueur totale de la géodésique, elle s'exprime comme la somme de chacune de ces longueurs, ça fait apparaître une convolution. Et on utilise le fait que, voilà, la stabilité par convolution des fonctions de Ramanujan.
Et puis, la petite remarque là que j'avais faite, elle aide à dire que bah, si, en fait, si j'ai une arête qui est parcourue plusieurs fois, ça correspond à mi plus grand que 2, et j'ai encore moins de travail à faire puisque j'ai directement. Ça, en fait, ici, sur une arête qui serait parcourue plusieurs fois, elle donnerait automatiquement une contribution en q puissance L sur 2. Donc voilà, enfin, c'est idée pas du tout détaillée, mais c'est de dire qu'en fait, quand on a une géodésique non simple, on la décompose en un nombre fini de morceaux qui sont simples et auxquels on applique ça. Et juste, alors il me reste juste le temps de dire pourquoi c'est important d'avoir des fonctions de Ramanujan. Je vais peut-être juste faire l'ordre zéro, donc la contribution des géodésiques fermées, mais après, finalement, on peut le faire pour n'importe quelle topologie. Je ne sais plus à quel numéro j'en suis. Donc, vous vous souvenez, ce qu'il fallait qu'on calcule, c'était espérance de somme sur gamma 0. Enfin, je vais peut-être pas. Je vais regarder la contribution des géodésiques simples. Voilà, je vais regarder l'espérance sur somme des gamma 0 simples. Et ce qui sortait, c'était L de gamma 0. FL de la longueur de gamma 0 Q puissance moins L de gamma 0 sur 2. Ça, on sait que c'est la somme. Alors, cette fonction T, je l'appelle grand F pour l'instant. On va voir, non, peut-être pas. On va maintenant. Ça va être important maintenant de voir que notre fonction test, elle a cette structure particulière. Ça, c'est une somme sur tous les L. Mais ma fonction est à support compact. Et puis là, normalement, j'ai V simple. C'est ça, ça c'est l'expression exacte. Mais on va faire que le calcul à l'ordre 0. Maintenant, ce que j'ai expliqué, c'est que cette quantité-là, elle a un développement limité en puissance de n. Et je vais regarder que le terme d'ordre 0. Et le terme d'ordre 0, bah, c'est exactement le calcul que j'ai fait. Là, c'est Q puissance L. Et puis, il y a une certaine constante. Et puis, voilà, c'est le calcul que j'avais fait. Donc là, on voit que là, il y a du Q puissance L. Et là, il y a du Q puissance moins L sur 2. Donc ça, on voit que ça va inévitablement se comporter quelque chose comme Q puissance grand L sur 2. Donc ce n'est pas ce qu'on espérait. Puisqu'on espérait quelque chose de sous-exponentiel, si possible. Mais en fait, ce Q puissance grand L sur 2, on sait d'où il vient, parce que du côté... Il faut se souvenir que dans les valeurs propres de la matrice d'adjacence, il y a la valeur propre triviale, qui est lambda 1 égale Q plus 1. Et lambda 1 égale Q plus 1, si j'écris son paramètre spectral, bah c'est S1 égale plus ou moins I sur 2. Et donc, du côté spectral de la formule des traces, ce terme-là, il va aussi être responsable d'une croissance en Q puissance L sur 2 du côté spectral. Donc, ce n'est pas forcément étonnant que... du côté spectral, on a une croissance en Q puissance L sur 2 qui vient forcément de la valeur propre triviale, donc ce n'est pas étonnant qu'on le retrouve aussi ici. Et donc... ce qu'on fait, c'est qu'on
Ah oui, alors c'est un peu dommage que je n'ai pas réécrit les deux côtés de la formule des traces. Je vais quand même, à ce niveau, je vais quand même avoir besoin de le faire. Mais je vais faire ça. Je vais, ouais, le côté spectral, hein, c'est somme des F chapeau L de SJ Q puissance plus ou moins I. Alors. Ah oui, j'ai une somme. Qu'est-ce que je voulais faire? Non, c'était comme. Non, c'était comme ça. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'était ça. Ça, c'est le côté spectral. Et c'est S1, voilà. Pour S1 égale plus ou moins I sur 2. FL chapeau, il croit en Q puissance L sur 2. Donc en fait, on va essayer de se débarrasser de S1 en multipliant la transformée de Fourier par une fonction qui s'annule en la valeur propre triviale. Et on va prendre Q plus 1 plus Q puissance. Enfin, on fait ce qu'il faut pour être sûr que ça s'annule en la valeur propre triviale. Voilà, j'ai multiplié par une fonction enfin j'ai tout fait. Ça c'est en gros, ça c'est Q plus 1 moins lambda J. Donc j'ai tout fait pour que j'ai multiplié la transformée de Fourier pour ce qu'il faut pour que pour être sûr que la valeur propre triviale apparaît plus ici. Ça veut dire que donc multiplier la transformée de Fourier multiplier la transformée de Fourier par cette fonction-là, ça revient à appliquer un opérateur différentiel à la fonction. Ici, j'ai des fonctions périodiques, donc c'est, quand je dis transformée de Fourier, c'est des séries de Fourier. Et quand je vais dire opérateur différentiel, ça va être un opérateur différentiel discret. Donc ça revient à appliquer, un certain opérateur D. Alors peut-être qu'on va devoir mettre une puissance. On va voir. Des puissances je ne sais pas quel nombre. Alors au niveau des coefficients de Fourier multiplié par ça, ça revient à appliquer Q plus 1 fois l'identité moins Q puissance 1,5. Tout ça, c'est f, c'est une fonction qui est définie sur z, hein, qui est paire et à support compact. Et donc, y a un des deux termes qui est la translation à gauche et l'autre qui est la translation à droite. Donc, sigma, c'est le shift. Donc, multiplier la transformée de Fourier par ça, ça revient à appliquer cet opérateur différentiel discret à la fonction. Donc, on modifie juste la fonction test en lui appliquant cet opérateur différentiel discret ou éventuellement peut-être il faudra prendre une puissance. Et il se trouve qu'en fait, cet opérateur différentiel discret, si je ne me suis pas trompée, il tue, si vous regardez, si vous faites... donc, L donne Q puissance L sur 2. Ça annule exactement. Si vous prenez cette fonction exponentielle-là, elle est exactement tuée parce que celle-ci, elle va être... D... Celle-là, elle est. Donc, cet opérateur différentiel, il tue cette fonction-là. Et plus généralement, le noyau de cet opérateur à la puissance k, c'est les fonctions de la forme q puissance l, q
puissance. Alors, comme c'est un. Il y a un plus ou moins L sur 2, avec Q, un polynôme de degré plus petit que K moins 1, je crois. Donc, en fait, voilà, vous voyez ici, là j'ai regardé que la contribution des géodésiques simples. Là, j'avais un Q puissance L, mais qui est multiplié. Donc, les deux ensemble, ils vont faire du Q puissance L sur 2. Et là, j'ai une somme. Je peux faire une intégration par partie discrète, c'est-à-dire que l'opérateur différentiel qui tapait sur L, je peux le faire taper sur de l'autre côté, et il va tuer cette fonction-là. Puis il y a des termes de bord qui vont sortir parce que la somme commence à zéro. Mais donc ce qu'on voit, c'est par exemple pour tuer le terme d'ordre zéro, il a l'air de falloir prendre. J'ai quand même un L ici qui se promène. J'ai l'impression qu'il va falloir prendre K égale 2. Ça va faire disparaître ça va faire disparaître la contribution des géodésiques simples à l'ordre 0. Et plus généralement, à chaque fois que je ferai ça pour un type topologique de données, j'aurai ici des polynômes qui vont sortir, mais quitte à prendre ici un cas assez grand et à faire une intégration par partie discrète, j'aurai toujours des termes qui seront de la forme un polynôme fois Q puissance L sur 2 et qui, par intégration par partie discrète, seront tués. Alors, je mentionne, pour ceux qui ont envie de jeter un coup d'œil à l'article de Friedman, c'est que cette intégration par partie discrète, il appelle ça sidestepping lemma. Et je pense qu'en fait, une des raisons pour lesquelles peu de gens lisent son article, c'est qu'il a des dénominations un peu étranges pour les choses. Et donc, par exemple, voilà, il ne dit jamais que c'est une intégration par partie discrète, il appelle ça sidestepping lemma. Donc je lui ai demandé c'est quoi sidestepping. Il m'a dit ça veut dire un lemme de contournement. Et il m'a dit oui, c'est parce qu'on compte. Enfin, je ne sais même pas si j'ai bien compris, mais j'ai l'impression que c'est parce qu'on contourne le fait de calculer explicitement tous les coefficients. Je ne sais pas pourquoi il appelle ça un lemme de contournement. Donc, si vous vous mettez à regarder son article, vous verrez qu'il y a pas mal d'endroits où ça parle de ce sidestepping lemma, mais c'est ça. Et en fait, il donne des noms étranges un peu à tout, et je pense que ça empêche un peu de lire l'article. Donc voilà. Alors, je vais dépasser un tout petit peu, je pense. Alors, j'aurais pas du tout le temps, mais ça, je m'en doutais, j'aurais pas du tout le temps de parler du. Alors, il se passe la chose suivante. Le mécanisme est le suivant, c'est que si on se donne un. Conclusion intermédiaire, mais je n'aurai pas le temps de dire ce qu'il faut faire après. Ça sera pour l'année prochaine. C'est que si on se donne un nombre fini de type topologique, donc on se donne un alpha, la preuve elle marche comme ça, on se donne un alpha pour montrer que tous les lambda J non triviaux vont être plus petits que 2 racines de Q cosinus hyperbolique alpha. Donc on s'est fixé un alpha petit qu'on vise comme ça. Ce alpha nous dit à quel ordre il faut faire le développement asymptotique. Je redirai comment. Donc le alpha nous détermine à quel ordre on veut faire le développement asymptotique. Et il nous dit aussi qu'on peut tronquer, donc on peut se contenter de regarder des formes de rang cyclique fixées. Hein, on avait dit qu'on pouvait tronquer la somme sur tous les rangs cycliques.
Tout ça, ça dépend que de alpha. Maintenant, pour chaque. Donc, on s'est fixé un rang cyclique auquel on veut travailler. Et pour chaque type topologique. On va faire notre développement asymptotique jusqu'à l'ordre K et on obtient. On obtient des fonctions de Ramanujan. Donc F0T jusqu'à l'ordre K, FKT de Ramanujan. Et donc, dans chacune de ces fonctions, il y a un certain polynôme qui va sortir avec un certain degré. Et on va choisir une fonction de test. Alors oui, mes notations sont pas... Oui, je suis désolée, c'est mes fonctions de Ramanujan, j'aurais dû leur donner un autre nom, peut-être. Il est peut-être encore temps de changer, je vais les appeler H. C'est les fonctions qui sortent dans le développement asymptotique. J'aurais pas dû leur donner le même nom que la fonction test dans la formule des traces. Ces degrés-là vont nous dire quelle puissance de cet opérateur différentiel il faut appliquer pour que l'intégration par partie tue toutes ces fonctions. Donc on choisit... On choisit la puissance de D en fonction de ces degrés. Et ça, ce mécanisme-là de sidestepping lemma, de l'intégration par partie discrète, il va nous permettre de dire que si on fait l'espérance sur toutes les géodésiques périodiques de type topologique T, pour chaque type topologique T, si on fait cette espérance de L, alors D puissance K, FL, voilà, quand on va calculer cette espérance et qu'on va l'exprimer grâce à ces fonctions de Ramanujan, l'intégration par partie va bien se passer et il va rester uniquement dans cette intégration par partie, il va rester les termes de bord qui vont être un grand taux de 1 et puis il va rester le reste du développement asymptotique et le reste il est en Q puissance L N puissance K plus 1 et puis il y a peut-être un polynôme là aussi Donc là, le terme, c'est en gros les termes de bord de l'intégration par partie. Et ça, c'est le reste du développement asymptotique qui est là tout le temps. Et puis, il y a toujours un terme en n qui est le. Dans la formule des traces, il y a toujours le terme topologique qui est en n, donc il va y avoir un autre grand taux de n qui va arriver. Si on pouvait faire ça, si on pouvait donc se ramener à un nombre fini de types topologiques, on serait arrivé avec une estimée comme ça. Et ensuite, il suffit juste de choisir le grand K assez grand pour être sûr qu'on veut que ça soit plus petit que Q puissance alpha L. Donc la manière de choisir les coefficients, c'est il faut équilibrer ces... On va choisir le grand K. On va prendre en fait Q puissance L égale... On va équilibrer ce terme-là avec ce terme-là. Bon, ça veut dire qu'il faut prendre L égale K plus 2 log N.
Et alpha, c'est 1 sur k plus 2. Donc ça, c'est la formule qui nous dit que si on s'est fixé à l'avance un certain alpha, ça nous dit à quel ordre il faut faire le développement asymptotique. Donc ça, ça terminerait la preuve si on pouvait dire qu'il suffit de sommer sur un nombre fini de type topologique. Et le problème, c'est que ça, c'est loin d'être acquis, parce que même si on s'est ramené à sommer sur un nombre fini de formes possibles, mais le type topologique, c'est non seulement la donnée d'une forme, mais c'est la donnée d'un chemin sur cette forme. Et ça, bah, on sait que le nombre de chemins, il croît exponentiellement vite en la longueur. Donc on a l'impression que quand on va sommer sur tous les types topologiques possibles, on repère une exponentielle et ça ruine tout le raisonnement. Et d'ailleurs, la proposition là, que j'ai dit tout à l'heure, elle nous dit qu'il y a vraiment un réel problème à sommer sur tous les types topologiques. La stratégie ne marche pas si on considère la somme sur tous les types topologiques. Et donc, il y a toute la partie suivante, c'est de dire qu'il faut... La raison de ce problème, elle est clairement identifiée, c'est qu'il y a certains graphes... En fait, la raison du problème, si je dessine le spectre, donc là, la valeur triviale est là, et puis là, j'ai 2 racines de Q. Et ici, en fait, il y a une probabilité, quelque part ici, il y a une probabilité d'avoir du spectre. Cette probabilité, elle tend vers 0, mais pas très vite, elle est en 1 sur n puissance alpha, enfin, on peut faire des calculs explicites. Il y a une probabilité polynomiale en n d'avoir du spectre ici. Et c'est d'ailleurs comme ça que Friedman montre que c'est pas possible que la stratégie elle marche pour la somme sur toutes les géodésiques, parce que si la stratégie marche pour la somme sur toutes les géodésiques, elle impliquerait que la probabilité d'avoir du spectre ici, elle est grand taux de n moins l'infini. Et or c'est pas vrai, parce qu'on peut exhiber des graphes qui ont une probabilité petite, mais pas très petite, et qui ont du spectre ici. Mais donc, ça veut dire qu'il faut vraiment enlever un petit nombre de graphes qui nous embêtent. C'est un ensemble de probabilités qui tend vers zéro, mais qui nous embête parce que quand on fait la méthode de trace, on calcule une espérance. Et comme vous savez, quand on calcule une espérance, même si on prend une espérance sur un ensemble de petites mesures, si l'espérance de ce qu'on calcule est très grande... Donc en fait, on a un ensemble de petites mesures qui rend l'espérance très grande, et donc il faut enlever cet ensemble. Ça, cette année, je n'ai pas du tout le temps d'en parler. Il faut refaire tout ça, mais faut reprendre le modèle de graphe aléatoire, mais il faut le conditionner, il faut se restreindre un ensemble de graphes qui est de mesure presque 1. Et une fois qu'on enlève les mauvais graphes, on arrive vraiment à se ramener à une somme finie ou petite, une somme de type topologique. Mais ça, c'est encore un énorme travail qui est intéressant, mais il faut plus de temps. Donc le travail qui reste à faire après, c'est d'enlever des mauvais graphes, de sorte à être sûr de sommer sur un nombre fini de type topologique. Et ça, cette étape-là, elle apparaît à la fois dans le travail de Bordenave et dans le travail de Friedman, mais c'est fait de manière assez différente. Les mauvais graphes à enlever, ils ne sont pas décrits de la même manière dans les deux travaux. Voilà, je crois que j'ai déjà beaucoup dépassé, donc je vous remercie. Et puis voilà.